Esquimaux, vous êtes pas au taf? On fait une pause, mais on peut plus. Quelle chaleur! C'est presque 30 degrés à l'ombre. Et tous ces flashs avec le bus de 15 heures. Bourré de gosses, on n'en peut plus, ça pique trop les yeux. Quoi? Mais vous foutez du monde, mais c'est une pause par jour. Eh, nous aussi on se fait shooter toute la journée, y a pas que vous comme star ici, ok? Peut-être, mais nous on a demandé au Girlo, il a dit ok. Alors, ça va pas se passer comme ça, je vais voir le boss. C'est pas notre faute, sinon on voit d'extinction, nous. Ah, ça va, Cosette, tu vas pas nous faire chialer, hein. On a droit à un régime de faveur quand même! C'est l'enfer ici! Vous savez pas d'où vient ce qu'on a vécu! Voix d'extinction, n'importe quoi! À force de se balader à poil sur la banquise, bah oui, ça tire la convoitise! Alors voilà, pan-pan, disparu! Fais gaffe à ce que tu dis ou je vais te... C'est pour qui les beaux glaces sont tout frais? C'est pour qui? C'est pour nous! Non mais de mieux en mieux les Inuits! Et puis quoi encore? Des pannes pour nager dans votre piscine privée? N'importe quoi, on n'est pas au Club Med ici! Côté voie disparition, on est tous dans le même bain. Chaleur, bruit incessant, malbouffe, nous aussi on souffre. Mais alors passe droit, petite combine, hein, Niette. Dis donc, Winnie, tu baisses d'un ton direct. Sinon, les carpates, c'est retour à quatre pattes, tu peux me croire, Paul. Répète un peu pour voir. Dis donc, les gars, faudrait se voir à se calmer un poil. Sinon, moi, je vous mets au vert direct. Toi, le sapien, c'est la ferme. Les cacahuètes, c'est au bout de l'allée, à droite. T'as un problème? T'as un problème, l'albinos? Va t'acheter du savon, tu tombes ta tarasse, le crabe. En plus, tu pues le poisson pourri, clodo. Ne t'énerve pas, mon lapin. Le docteur t'a dit de te ménager, c'est mauvais pour ton cœur. On discute, chaton, on discute. Oui, écoute, ta bourgeoise, Winnie. La femelle est l'avenir de l'homme. Va faire un petit tour avec Beyoncé. Allez prendre l'air, ça ira mieux. Tiens, laisse-nous, on va les Chinois avec leur gros matos. Ça va flasher. Et un peu de tenue, tu vas nous coller la honte sur Insta. Non, mais garde tes conseils pour toi, Blanc-Bec. Et arrête un peu, là. Vas-y, fais-moi marrer, Blacky. T'as vu comment t'es gaulé, poilu? Va te faire un petit point de nuit, c'est bon pour ta gorge, pépé, au dodo. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Si tu continues, je te jure que je te défrise Blanco et que je t'envoie direct au pôle Nord avec ta blonde. Vas-y, vas-y, essaye un peu pour voir. Directeur, directeur. Non, mais oh, c'est quoi ça, plus les plantigrades? Ne vous croyez où? On vous entend gueuler depuis le parking. Bonjour, monsieur le directeur, vous allez bien? Belle journée, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Continuez à prendre pour une truffe, les frangines, et vous allez voir. Séparez-vous d'abord, que je vois clair. Les blancs d'un côté. Et les bras de l'autre. Non mais, sauvage. Déjà que vous me comptez une blague entre le saumon, le miel et ces conneries de glaçons, alors ça suffit. Bon, ce soir, c'est croquette pour tous. Et dans la grotte. Oh non, c'est pas juste. Il fait trop chaud. Et on se reprofite ça, hein. Et on se comporte à l'adulte, ok? Oui, monsieur le directeur. Bon allez, la pause c'est fini. Au boulot et on sourit. Et la prochaine fois que je vous reprends à vous déchirer comme des chiens, ça va vraiment chauffer. Non mais on va où comme ça, hein? Si eux aussi s'y mettent, on est foutus. Et vous, vous faites quoi là?